Salut! In today's video, you're going to cook a Creole recipe, a recipe that's Creole, with my niece and I. Hello, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belter Academy. And we have the pleasure today of cooking with chef... Maëlys. Maëlys, du coup, qu'est-ce que nous allons cuisiner aujourd'hui? Alors du coup, on va faire un carré de thon. Donc c'est un des classiques réunionnais, accompagné de riz. Super. So I'm Maëlys and I live in Los Angeles for now and I'm French. So I will cook Creole recipe from Réunion. Super. Et quels sont les ingrédients dont nous avons besoin? Alors, on aura besoin d'ail. 3 à 4 gousses d'ail, on aura besoin d'un morceau de gingembre, donc à peu près comme ceci, du sel, du poivre, une cuillère à café de curcuma, un petit peu de persil, disons une cuillère à soupe de persil, 4 à 5 tomates et du thon et une à deux cuillères à soupe d'huile de tournesol. Excellent. Et de l'oignon, pardon, un oignon. Bon ben on commence alors? Oui, c'est parti. Moi je vais couper l'oignon. Et toi tu vas faire les tomates. Exact. Parle-moi un petit peu de tes débuts en cuisine. Comment ça se fait que c'est un truc qui te passionne autant? Alors en fait moi j'ai toujours été dans la cuisine de par ma famille. Donc ma famille qui est d'origine de l'île de la Réunion. Ils aiment cuisiner tous les jours pendant les fêtes ou même juste repas familiaux, etc. Et du coup moi j'adore les regarder et apprendre avec eux, voir comment ça se passe, etc. Et c'est comme ça que depuis petite j'ai toujours cuisiné avec eux, appris avec eux et j'adore. Qu'est-ce qui est typique en plat réunionnais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient constamment, un ingrédient ou une certaine épice ou... Oui, alors en fait c'est assez simple parce que dès que tu sais cuisiner un ou deux plats, c'est toujours la même chose après au niveau des épices. Alors on a principalement besoin des oignons, de l'ail et du curcuma. C'est les trois ingrédients importants. Ah, qui reviennent beaucoup dans la nourriture créole. Ouais. C'est vachement intéressant ça. Oui. Et même au final, bon après ça dépend parce qu'on a curry et rougail. Et massalé, bon ça change un petit peu. Mais généralement là par exemple ce qu'on va faire, un curry thon, c'est toujours la même base. Mmh. Que ce soit thon, poulet ou peu importe la viande ou peu importe le légume. Mmh. C'est toujours la même base. Donc ça c'est très très important en cuisine créole également. Mmh. Bon, si on n'en a pas, on peut utiliser un mixeur, mais ça, c'est traditionnel. Donc, on va écraser les gousses d'ail avec le sel, le poivre et le gingembre, un morceau de gingembre. Et si vous aimez manger épicé, vous pouvez rajouter du piment. D'accord. Petite pause. Hey guys, if you're getting value out of this video, why don't you check out this playlist? Du coup, quelles sont les prochaines étapes maintenant? Alors, du coup, on va commencer à cuire les oignons avec un petit peu d'huile. Ensuite on va mettre les épices, donc les épices qu'on a écrasées au préalable. Ensuite le curcuma, on va faire revenir un petit peu tout ça. Ensuite on va ajouter les tomates qu'on va laisser cuire 10 à 15 minutes pour que la sauce commence à apparaître. Et par la suite on ajoutera le thon. D'accord. Et on laissera cuire. Alors du coup, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui a commencé un peu ton parcours pour commencer ton blog et devenir chef à domicile comme ça? Ouais, alors en fait, moi je suis arrivée en tant qu'au pair l'année dernière et du coup, quand j'ai commencé à cuisiner dans les familles et à un moment, j'ai ma host même qui me dit « Franchement, tu cuisines super bien, t'as un don pour ça, il faut que tu fasses quelque chose parce que... » C'est bon, tu vois, et en plus aux États-Unis on ne connaît pas forcément ça, ça change, etc. Donc fais quelque chose. On va relaisser cuire pendant 20 à 30 minutes. Et du coup j'ai eu l'idée de faire mon blog à ce moment-là. J'ai commencé à écrire un livre aussi de recettes. Bon, de base c'était juste pour le plaisir, mais voilà, par la suite, du coup j'adore. Et j'ai commencé mon blog et là je commence à donner des cours de cuisine également.
créole et français. Voilà, pour ceux qui aimeraient découvrir la cuisine créole. Je mets les coordonnées, site web, tout le tralala, dans la description des vidéos ci-dessous. So if you want her to teach you how to cook créole, all of her contact information is in the video description. Voilà. Et je fais également donc chef privé à domicile pour les petits événements, donc que ce soit les repas familiaux ou le repas entre amis, c'est avec plaisir que je cuisine chez vous. C'est génial. Voilà. Donc on va rajouter un petit peu de persil pour avoir une belle petite couleur et un bon petit goût épicé. Merci de nous faire découvrir ça, et du coup avec un petit punch, ouais. ça le fait aussi. Parfait, esprit créole 100% assuré là. Ah, et bien tant mieux. Merci de nous faire découvrir cette recette. Hein. De rien, mais avec plaisir. Comment on what you like the most about this video, what you know about Creole food, we're curious to know. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci.